Bonjour, on fait un petit test ce soir de streamer en même temps que je fais de la capture. C'est quelque chose que je commence à faire avec mon nouvel appareil de capture. Tout recommencer ici. Bienvenue au Canada. D'après le roman d'Arlette Cousture, Ses enfants d'ailleurs, les dimanches 19h dès le 27 septembre. Ce soir sur RTV, un verre de lait, c'est bien, mais deux, c'est mieux. À 20h, à Grand Spectacle, voyez la pièce de théâtre 24 pauses mettant en vedette Louison Dany. À 22h, Bruno Blanchet anime Les Fous de la Rue. Ce soir. Moi, c'est la musique classique. RTV, la télé des passionnés. Ça s'appelle. Les grands spectacles vous sont présentés par la toute nouvelle Chrysler 300C. 24 pauses portrait. Puis c'est un grand spectacle. Vous est présenté par l'Union Vie, l'Union de l'art et de la vie. La parenté va se donner en spectacle. La grande visite. Bon, puis on a un preview en plus. Je pensais pas qu'on avait un preview. Tous les soirs, quand ta mère sort pas, il nous donne une petite ondée. On bouge les dents, va. Ouais. Mais sa détresse occupe toute la coulisse. C'est ce qu'on appelle une vraie belle journée. C'est les films, en fait, d'été. 24 pauses, portrait, dans un moment. Une tradition qui a été perdue avec le temps. Donc, je trouve vraiment intéressant. Je n'ai pas été capable de changer mes tags. Donc, désolé. Grand spectacle avec Yannick Nézet-Séguin. Qu'est-ce qui est écrit en dessous? Bonsoir, bienvenue au Grand spectacle. Au programme ce soir, une production marquante du théâtre québécois des dernières années. 24 pauses, portrait. Cette pièce de Serge Boucher nous est proposée dans un téléfilm mis en scène et réalisé par René Richard Cyr. La distribution comprend 8 fabuleux comédiens, ceux-là même qui assuraient la création de l'œuvre en 1999. Mentionnons entre autres Michel Dumont, Louison Dany, Guylaine Tremblay et Roger Léger. Comme son titre l'indique, 24 pauses portraits se composent d'instantanés, des tranches de vie saisies sur le vif. L'auteur braque son regard sur ces détails qui caractérisent les relations familiales. Serge Boucher a souvent été comparé à Michel Tremblay ou à Claude Meunier de La Petite Vie. C'est à Charlebourg, en banlieue de Québec, dans la cour d'une maison comme bien d'autres, que tout va se jouer. Richard fête ses 40 ans, entouré des membres de sa famille. En apparence, il ne se passe pas grand-chose. On commente l'actualité, on s'échange des cadeaux. Tout le monde a l'air de bonne humeur. Mais petit à petit, les frustrations éclatent au grand jour et ce sera le drame. Voici donc maintenant cette pièce qui a fait l'objet des critiques les plus élogieuses. 24 pauses, portrait. C'est un vieux classique, ça va avoir des airs un peu des voisins, si on veut, en termes de setup. Avec une trolley de bons acteurs. Je le savais qu'il Hey, si on peut finir par vendre ça, ce maudit dépanneur-là m'a fait juste ça, moi, sortir. S'il y en a une qui a jamais eu peur en genre avec votre père, c'est bien moi. Je l'ai tout le temps dit. J'ai jamais eu meilleur conducteur que lui. J'ai jamais eu peur avec lui. Sauf peut-être les fois qu'il était un peu chaudasse. Mais qu'est-ce que tu veux? Mais là, avec l'âge, tu sais qu'on sort pas assez aussi. Ça, non, ça moi, je trouve ça bien mal éduqué. Je sais pas votre idée là-dessus. Non, c'est très bien éduqué, mon cher monsieur. Ça peut pas être plus clair que ça. En sortant du pont, c'est indiqué boulevard Henri IV. Comme si vous veniez plus chez nous. À plus, je vous pensais de regarder la capitale. Tout de suite après ça, c'est clairement indiqué. Charlebourg, 3 prochaines sorties. Tout de suite, la première, vous sortez, c'est pourtant bien
simple. Il n'y a rien de bien compliqué là-dedans. Non, je sais bien. Non, c'est parce que nous autres, la crise de sorcier, au lieu de tourner à douette, j'appelle là, il continue tout douette. Non, faut dire aussi ça. Parce qu'il est malin, toi. Ça arrache ça. Les pelules qui font ça. Il a remarqué ça depuis qu'il prend ces pelules-là, il est plus pareil. Mais ils disent, hein, ça a changé une personne. Ah, oh, c'est sûr, hein? Oh, maudit, papa, merde! Il n'y en a pas deux comme lui, hein? Hey, faut grand qu'on n'aille pas ça, le vieux Québec. Hey, ça va t'asseoir, je vais retourner, moi. Oh, vierge, hey, pense pas à ça, tu oublie-moi ça plus vite. Hey, la journée est encore jeune. Hé, ben, tu l'entends, vous êtes arrivé? Ah, une heure pile, on rentrait dans la cour, hein? J'ai dit à Carole avant de partir, on est chez Richard, entre 1h-10, mais 1h, mais 1h-3, exactement, j'arrêtais le moteur de mon corps. Aviez-vous les filles en fin de semaine? Ah, les a pour la semaine. Ah, bien, oui, vos vacances. Ben, j'aurais pensé qu'on les aurait la deuxième semaine de nos vacances à cause d'aujourd'hui, mais ça faisait pas l'affaire à madame. Ah, sans chez M. Paquette? Ouais, matin, en allant faire laver le char, André est allé reconduire sa mère. Ma mère est toute heureuse de ça, ouais, sauf que mercredi soir, hein? Madame, elle appelle. Ah, ben, t'es, oui, elle aussi, elle avait quelque chose aujourd'hui. À chaque fois qu'on a elle aussi, elle a quelque chose d'imprévu, c'est bizarre. Hein? Ben, ça fait tout le temps de la chipoterie. Nicole, faudra pas vos grands verres d'eau. Rien pour moi de suite. Hé, bon vrai, petit frère. Ah, tout si bien, hein? Essayez de la grandeur. S'il te plaît, un café, Carole, un verre d'eau. Poudre, toi. T'as-tu changé ta couleur de cheveux? Hé, hey, arrête-moi ça, toi! Moi qui ai dit pour ma teinture en plus, es-tu drôle, hein? On dirait qu'il y a quelque chose. Non, y a rien de changé. Ah, toujours la même tête. De cochon. Oh, franchement! Une petite blague, mon amour, voyons. Ah. T'aimes-tu ça, ce qu'elle m'a fait? T'es peut-être un peu court à mon goût. Il me semblait aussi. Ah, oh, merci, ma belle Nicole! Pis, grand-maman? Oh, café, hein? Je préfère quand t'es un petit peu plus long. Ah, remarque, ça, c'est mon goût. Ah, oui, c'est beau, c'est beau. Pis, grand-maman, comment elle va? Oh! Ben quoi? Fais-tu longtemps que vous l'avez vu, vous, Manon? Ah, un petit bout. Ça remonte à Pâques la dernière fois. Trouves-tu ça, toi aussi, qu'elle a vieilli? Bonne pareille, hein? 84. Elle dit elle-même, je vieillis. Oui, mais elle est plus jeune non plus. Non, mais avant, jamais tu l'aurais entendu dire ça. Ah, bon, 84, c'est les autres qui sont vieux, c'est pas elle. Je sais pas si on va être pareil à son âge. Je vais être morte, moi. Ouais, en tout cas, je peux dire que c'est la première fois que je m'en rends vraiment compte. Là, c'est vrai, là, ça paraît, là, elle fait son âge. Puis ses jambes? Oh, elle a plus de force, elle a de la misère à se tenir debout. Mais moi, c'est ses yeux qui m'inquiètent le plus. Le médecin, il a donné des gouttes, mais ça marche pas. Je pensais, moi, dimanche dernier, elle la trouve pas drôle. Elle dit qu'elle en perd des bouts, qu'elle voit pas clair, elle, c'est pas drôle, ça. Moi, des fois, je me dis que la pire affaire qui va m'arriver, ça serait ça, perdre les yeux. On me dirait, je pense. Cas, il reste plus bien des années par elle, là, une couple, là, bien encore. Ouais, mais on va être pogné pour aller manger des sandwichs, monsieur Dubé. Qu'est-ce qu'il raconte là, lui? Ben quoi, c'est ta grand-mère meurt après le funérail, il va y avoir un lunch? Franchement! Ben quoi, ton père a toujours aimé ça, les lunchs d'après le funérail? Hey, il fait-tu assez beau? Hey, on l'a tué, hein, la journée. Ben, il est à temps, viens. Il annonçait de la pluie toute la journée à Québec, c'est bien pour dire. Il a mouillé une shot cette nuit, par exemple. Je le sais qu'il a mouillé cette nuit. Je parle de là, d'aujourd'hui. Hey, moi, je me suis levé à 4 heures à peu près. Là, je mangeais ma petite toast. Regarde-là, elle s'est levée, mangeait sa petite toast. Ben, je dors pas la nuit. Fait que des fois, je m'attends, je me lève, puis je mange un peu. Ça passe le temps. En tout cas, ça a tombé cette nuit. C'était pas beau tout de suite. Un de ces horaires, mes amis, ça tombait, là, des vrais clous. Ah, nous autres aussi, on y a goûté, hein. Ah, oui. Un peu plus tard, par exemple. Ça a été sur le matin, nous autres. Quand je me suis levé à 8 heures, c'était la grosse brume. Puis là, vers 9 heures, c'est vers 9 heures, hein, que Charles s'est mouillé. Ah, oh, ça se peut, j'ai pas regardé l'heure. Ah oh, oui, il est approche 9 heures. Ça s'est mis à tomber, là, avec le vent, là, c'était bien bizarre. Puis après, beau soleil. J'en revenais pas, t'es assez contente. On est tellement mieux dehors l'été, hein? J'ai eu assez peur. Oh, qu'est-ce que vous mettez, M. Dubé, donc, dans votre café? Oh, une cuillère de sucre puis une petite bite de lait, là, juste pour dire. Juste pour dire, jamais de couleur. Veux-tu même dire comment ça se fait? Tu dors pas la nuit? Mais c'est bon, je dors pas. As-tu déjà vu ça pour un avant-chaud de même? J'ai tanné des bouts, là. Ça vient pas long, ça, non? Il y a qu'un peu des nuits de temps sans dormir. Elle dort pas la nuit, ta bardasse. Oh, il y a du bardassage la nuit qui fait pas de tort. Non, je gigote un coup. Tourne d'un bord, tourne de l'autre, un petit coup de patte par ici. Ça me surprend pas, tout viré à l'envers. C'est rendu qu'elle se lève plus. Ah. Pas normal, certain. Une femme de cet âge-là qui se lève à des 10-11 heures le matin, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ben, j'espère pour vous. Parce que si vous aviez vu ça, là, on pourrait penser des affaires pas trop, trop catholiques. Hein? Tu sais qu'il raconte là, lui, là? Ben, je sais pas trop, là. Ton père a dit, j'ai jamais vu ça, une femme se lever vers 10-11 heures. Moi, j'ai dit, j'espère. Parce que s'il avait vu d'autres femmes que ta mère se lever vers 10-11 heures,
Ben, ça aurait peut-être pu vouloir dire qu'elle a connu d'autres femmes dans sa vie. Hey! Hein? You understand? Oh, mon Dieu! Hey, c'est mon comics, ça! Je l'oublie des fois! Ah, je te l'ai dit, bravo, mon amour! Ah, hein? Toi, t'as toujours raison! Mm. Vous voulez rien, Madame Dubé? J'ai un petit mal de cœur. Hein? Elle a un petit mal de cœur. Voudriez-vous grignoter un petit quelque chose? Non, non, y a rien qui passe dans ce temps-là. Ça doit être la chaleur qui fait ça. As-tu diminué le café? J'ai bien de la misère avec ça. Tandis que t'avais le droit. Ouais, un à deux par jour. À l'hôpital, j'en avais quand je voulais. Ben, ça peut pas y faire de tort, ben gros, c'est pas mal fiable ce qu'il prend. Il y a de l'eau sucrée qui brûle. Mais ça va bien ton affaire? Ben? Ouais. Ouais, ouais. Bon, c'est sûr que c'est plus comme avant. Mais ça, pensons-y pas, ça sera plus jamais comme avant. Mais faut pas s'en faire avec ça, c'est la vie. C'est la vie. C'est les reins, là. Ah. Autre affaire, ça, les maudits reins. Ben, c'est comme autre chose. Là, faut que je fasse attention au liquide, faut pas que je boive trop. Mm. Maudit inconvénient, ça, encore. Première des choses, faudrait qu'ils se mettent au régime. Je veux rien savoir de ça. Je veux rien savoir. Regarde là, elle m'enrage des fois. Le suis-tu ton régime? Ah, ouais. Elle passe pas de journée sans se bourrer à face dans le sucrage. Elle devrait pas, mais ça, c'est pas grave, c'est sûr. Pour moi, c'est sûr. T'es pas une journée sans manger de sucré. Si vous voulez, elle aime ça des desserts. Ça a toujours été une grosse mangeuse, ça le demeurera toujours, puis c'est pas plus grave que ça. On aime ça manger, que j'ai voulu vous dire, on mange. Mais là, là, c'est pire qu'avant. Là, il mange, un ours. Il a jamais tant à manger de sa vie. Moi, je le laisse faire, alors je dis. Oui, bon appétit. C'est les nerfs qui font ça. Ouais, oui. Mais tu veux manger, c'est le seul plaisir qui me reste dans la vie. Fais-moi en profite. C'est comme une réaction qu'il fait. Le midi, là, oh, c'est effrayant. Il se bourre, là, net mal. Va se coucher tout de suite après. Ouais, c'est le bon sens. Là, c'est sûr que je dors, je suis plein comme un boudin. Plus vous mangez, plus ça demande d'efforts. Je sais tout ça. Non, mais c'est-tu bon, manger? Moi, quand je vais mourir, au moins, je vais mourir le ventre plein. Ça, là, c'est comme si le manger se comprimait. Hein? Ouais. C'est comme s'il se pactait tout dans un petit tas. Là. Ben, c'est comme si le gras et les matières grasses faisaient tout jamais. Là. Le cholestérol, là, c'est rien de bon pour vos artères. Ouais. À un moment donné, le cœur, il n'est plus capable d'en prendre. Il n'y a plus le gaz nécessaire pour rouler. C'est là que ça devient dangereux. Ouais. Le cœur, si tu en demandes trop, il ne suit plus. Hein? Boum, la pétate a fourné plus. Mais qu'est-ce qu'il fait, François, qui arrive pas, là? Il est peut-être perdu dans le vieux Québec, lui aussi. Y as-tu parlé à François récemment? La semaine passée, ou il y a deux semaines, je sais pas, là. Y avait-tu du nouveau? Rien de spécial. C'est louche. Il était pas là la dernière fois qu'il est venu. Ouais, ben mon Richard, elle s'en vient bien, ta pelouse, hein? Ouais, hein? Hey! Je veux bien craire, hey! Ils sont deux dessus à plein temps. Hein? Je te dis, faut pas manquer un soir sans l'arroser, sinon. On passe une journée, on est fête, hein? Tous les soirs, quand la noire sort pas, ils nous donnent une petite ondée. Hey, vous êtes pas limités, vous autant, sur l'arrosage. Ah, non. Nous autres, on a chacun nos soirs pour arroser à cette heure, puis je te dis qu'ils sont sévères. Hey, les polices passent ce soir, puis je te dis qu'ils check. Un petit bien. Non, moi, ma pelouse, j'appelle ça à des spots. Elle est brûlée bien raide, c'est jaune, du vrai foin. Et beau mettre de l'engrais. Ça, une pelouse, là, quand ça a brûlé une fois, il n'y a pas de revenez-y. J'ai hâte d'avoir juste ça à faire. Vas-tu m'en occuper de mes affaires? Non, c'est vrai, c'est bien beau d'avoir des belles affaires, mais il faut que tu aies le temps de les entretenir. Une belle cour comme celle-là, c'est une job à plein temps. Hein? C'est pas mêlant. Ouais. Ben, ça, c'est comme les petites fleurs à ta mère, ça. C'est bien joli des petites fleurs, mais il faut que quelqu'un s'en occupe. Non, que c'est qu'encore que je fasse pas correct.
Des fleurs. C'est qui ont, les fleurs? Ben, les fleurs du parterre, c'est toi qui les as plantées, mais qui c'est qui les arrose? Oh! Regarde-les! Je les arrose, mes fleurs, mon cher monsieur! Je le bats! Hey, une fois sur deux, je lui demande, as-tu arrosé les fleurs? Elle les a oubliées. Elle dit qu'elle aimait les... Hey, beau frère, savais-tu que j'ai une belle tondeuse neuve? Ben non. Ah oui, neuve de cette année. Ah, la mienne, t'as fini bien raide. Ah, début juillet, là, quand je sors la tondeuse, faire la pelouse. Chris, j'avais pas fait la moitié du terrain en avant. Tuf, tuf, plus rien, c'est ça, je me dis, c'est pas vrai. Tu sais, là, je réussis à la repartir, je fais un autre petit bout. Chris, capote encore! Ah, j'ai fait ça 3-4 fois de même, par petit bout. J'ai dit, ça allait pas vite. Hey, c'est long, mon affaire. Mais je me disais en moi-même, m'a toffé, ma tabarnache! Ben, une fois, là, elle a jamais rien voulu savoir, hein. Fini bien raide. Achète une tondeuse neuve. 300$, calice. Ah, y'a rien de trop beau pour la classe ouvrière. Hey, avez-vous ça à Paulo Zedon cette semaine, la madame de Victor a gagné? Une madame Boisclair? Hein, cette semaine? Ben, son visage, je m'étais pas inconnu. Pourquoi c'est la gang de Boisclair qui vient de Saint-Norbert? Son mari a un garage, sa grande ligne, à son lève à Saint-Louis-de-Blanford. Hey, écoute, non, là, t'as écouté cette semaine? Viens là me montrer ça, cette tondeuse neuve-là, mon homme. Hey, pas bien, oiseau. Hein? Hey! C'est la machine, c'est pas de la machine! C'est pas de la machine! T'as pas fait de la machine! Ça, c'est comme... Merci. Ça fait plaisir. Merci. On va pas faire ça tous les jours, mais... Peut-être qu'une fois, c'est moi qui vais être dans le besoin, puis c'est toi qui vas venir à ma rescousse. Tu peux être certaine que je vais être là, Claire. Tu vas pouvoir compter sur moi, et pas peur. T'as l'air mieux? Je reprends là-dessus. Ça va se replomber tes affaires. Tranquillement. Tu vas voir. Ça m'aide, ça ici. Ça paraît pas, mais ça fait une différence. Mon logement tout seul, là. T'étais rendu à combien, l'autre place? Ah, t'as pas donné, hein? Ça m'aide épouvantablement, ça ici. Avoir reçu, il y a un bout que... Ben oui. Je me sens bien, là. Je pense pas te déranger fort. Hey! C'est pas riche-riche, eux autres non plus, là. Ce que t'apportes, toi, là, ça les aide, j'imagine. Hein? Peu importe ce que tu donnes. Je suis pas au courant de vos arrangements, moi, là. Mais tant mieux, mon Dieu, si ça peut faire l'affaire de tout le monde. D'autant plus que Nicole risque d'être coupée d'une journée. Oui, attends! Ils t'en ont pas parlé? Ah non. Ah, mais tiens, je serai mort, OK? Je t'assure que je sors. Ah, qu'ils sont pas chanceux. Déjà que ça arrive serré, les affaires. Mais... Une chance, au moins. Elle puis lui, ça a l'air de bien aller. Hein? Ah, ils s'entendent bien. C'est fait, ça, Nico. Ça ferait pas mal à une mouche. Elle est douce, douce. Elle est pas vite, mais... Elle n'en regagne pas. Pas vraiment. Richard fatigue un peu d'avoir allé des fois. Ça a réussi à s'entretenir. Mais c'est l'important. Ouais. Serre donc ça. Hein? Merci bien gros, ma Claire. Hein? Hey! Je prendrais peut-être bien une petite liqueur, voilà, là. Ouais. Quelque chose de pétillant, là. Ça me ferait peut-être bien débloquer qu'est-ce que j'ai de pogné ici, là. J'ai toujours quelque chose de pris ici, là. C'est bien fatigant. En tout cas, je peux-tu vous dire qu'il en est-tu fier de sa tondeuse neuve, lui? Elle est arrivée tout une à Warwick, la semaine passée? Ah, ben oui, hein? Écœurant. C'est pas croyable ce qui peut arriver des fois. Ça fait peur. C'est là que tu vois que le monde est fou, pas à peu près. Il devait être capoté rare à faire ce qu'il a fait à ce gars-là. Tu te demandes, qu'est-ce qu'il a bien pu y passer par la tête? Là, on ne saura jamais. Hey, moi, c'est pas mêlant. À un moment donné, la semaine passée, là, j'ai tout arrêté d'écouter la TV. Et je sais pas pourquoi on dirait que ce monde-là, ils ont des faces prédestinées. Tu le vois, la vierge de face à TV, tu restes pas surpris des vraies faces de tueur. Oh, moi, j'en pouvais plus. Trop, c'est trop. J'étais mal dans la maison. Les gros frissons, toi, quand il passait à TV. Tu seul dans la maison, puis j'étais pas bien. Quand tu dis qu'à cette heure-là, t'es plus en sécurité nulle part. Chez vous, dans ta propre maison, tu le sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Avec tout ce qu'ils ont pu endurer, ce monde-là, c'est pas croyable. Ah, oh, hey! Quand tu dis que t'arrives chez vous,
arrivait de faire l'épicerie, toi, en fin d'après-midi, là, en plein jour, les bras chargés de sacs d'épicerie. En rentrant dans la maison, le jeune y a sauté dessus. Ça a l'air que ses mains criaient après son mari. Georges, Georges, le jeune y a dit, tu cries pour rien, viendra pas ton Georges, je viens de le tuer. Ah, oh, une femme doit pas virer de sourd. Moi, je dis que tu dois troubler bien rien. Comment veux-tu garder toute ta tête à toi? Remarque, peut-être mieux de même, hein? Grand spectacle vous revient après cette pause sur ArtTV. L'Union Vie Groupe Financier. L'Union Vie Groupe Financier rend hommage à des artistes de renommée internationale. Avec qui elle partage une seule et même vision. Pour ceux qui de sont et de plus jeunes, probablement que 24 poses portraits, ça ne vous dit pas grand-chose. Mais c'est qu'en fait, un 24 poses, c'était ce qu'on utilisait avant pour prendre des photos avec des films argentiques, des pellicules. C'était des 24 ou des 36 poses. Il y avait d'autres formats, mais c'est les plus communs. Fait que c'est un peu comme s'il y avait passé un rouleau de film à prendre des photos pendant la soirée. Un portrait, c'était comme ça qu'on appelait aussi dans le temps des photos. Des gens ici au Québec disaient souvent un portrait, on a été prendre notre portrait, puis ils ont pris notre portrait. Fait que 24 poses portrait. Des poses, c'est la même affaire. En fait, c'est des exposures, mais c'est une mauvaise traduction, un 24 poses. Quand vous choisissiez du oasis, mais c'est comme ça qu'on prenait des photos dans le temps qu'il n'y avait pas de numérique. Fait que je pense que c'est un peu ça qu'ils essayent de figurer quand ils font des passages au blanc. Entre les espèces de séquences. Je ne sais pas s'il y en a 24, ça vient d'une pièce de théâtre à la base, fait que peut-être que ils n'ont pas mis toute la pièce, puis peut-être qu'il nous en manque des petits bouts, parce que souvent télé-théâtre, ils essayent de raccourcir un petit peu la patente, mais on va espérer que c'était pas si raccourci que ça. Moi, je m'en rappelle assez bien, même si ça fait probablement au moins 15 ans que je l'ai pas écouté. Parce que c'est ça, c'était sur une de mes cassettes qui joue en ce moment, que j'avais réussi à attraper sur ArtTV. Puis c'est quelque chose que je réécoutais une fois de temps en temps, parce que j'aime bien... Je pense que c'est Serge Boucher, ça. De toute façon, la plupart des dramaturges québécois de cette époque-là étaient très bons, que ce soit Michel-Marc Bouchard. En fait, ils font en ce moment les séries télé qu'on voit, puis ils sont vraiment bonnes. Sur ArtTV. Je remets le son. Hey, 2h30! François Lavati qui arrivera dans ses heures, dans un petit gars à l'heure, c'est un petit gars à l'heure! Tu vois ce qui arrive? Madame! Ah, Vierge! Il s'est fait mes cheveux! Bonjour tout le monde! Oh,
Merci. Ouais, ça pèse dans le dash. Bonne fête. Hey, merci, mon frère. Y a-tu vu de mon bouquet de fleurs, toi? Ah, le bouquet de fleurs, hein? Non, là, tu roses, mon chum. Ça fait content, là. Tu peux dire, je suis content. Aime ça, moi, des petits cheveux courts. Parle-moi pas des maudites grandes couettes qui te dépassent dans le cou, ça m'écoeure. Salut, mon Denis. Bonjour. Oh, mon ami! Oh, il l'a pas vu grosse tête, notre François! Avec ses écritures, il en profite l'été pendant ses vacances. Salut, Nicole! La grande visite! C'est pour toi. Eh oh! C'est bien beau! Je pense qu'il faudrait les... J'en reviens pas, comment est-ce que c'est beau! Peut-être les mettre dans l'eau tout de suite. J'ai jamais vu ça! Il a eu chaud. Merci. Ah, veux-tu quelque chose à boire? Non, merci. Dans quoi je vais mettre ça? Hey, regarde-là, elle est découragée bien raide avec ça, là! Puis, pas eu de problème t'en venir, hein? Non, ça a bien été. Ah. Bonjour, vous! François! Mon François! Puis, comment ça va? Ah, ben, j'appelle ça on vit aux pelules! Ah! Oui, ben, je me disais, coudon, mais vas-tu finir par arriver? Ben, je suis là, profitez-en! Hey, t'engraisses un petit peu, mon François. Ça se peut-tu? Ben, non. Ah, je te le dis, moi. Hey, tu ressembles, moi, une petite fille de même. Ouais, ben, ça, te voir, c'est une balance. Oh, mon beau François d'amour, t'as l'air mal commode de même. T'as l'air d'un petit gars qui va faire un mauvais coup. Tu ris toujours. Ah, on n'a pas le choix, hein? Oh, mais toi, toi. Ah, oh, toi, toi, t'es beau comme un cœur. Hey, je te dis, tu es beau, ce François-là. Oh, t'es assez beau, toi, avec tes petits cheveux courts. Ah, moi, je trouve avec tes lunettes, ça te donne un petit air de frais chier. Non, hey, moi, je trouve plutôt qu'elle a un petit intellectuel. Ouais, ben, c'est ça, je disais, ça revient aux mains. Ah, ah, mon comique, ça. Non, ouais, pépé. T'as les joues plus rondes, on dirait. Ouais. Tout le monde. On a une petite robe neuve. Oui, mon tanné. C'est très joli. Hey, t'aimes ça? Ben non, je trouve ça laid à mort. On dit jamais avec toi. C'est très beau, ça te va bien. C'est neuf. T'es sûr, t'aimes ça, là? C'est nouveau, hein? Ah, j'en pouvais plus la semaine passée. Je me suis choquée, hein? J'allais me contenter. J'allais m'acheter deux, trois petits kits pour l'été, ça prend ça, des fois. C'est bon pour le moral, comme on dit. Ça te va bien, cette couleur-là? C'est une couleur qui va pas bien à tout le monde. Mais à moi? Hein? C'est beau, hein? Quoi? Ben, ça y fait bien, non? Oui. Hey, t'as pas l'air sûr, hein? Hey, bonjour, mon nom. Vous allez bien? Faut bien. Belle journée, hein? Ouais. Hey, moi, je suis sûr qu'il a agressé. Hein? La dernière fois qu'il est venu à la maison, je l'avais trouvé à Mincy. Toujours à l'enseignement? Toujours. Lâche pas. Vous aimez ça ici? Ouais, c'est... Je suis pas mal bien. Hey, François, tu sais pas la meilleure. Ah, qu'est-ce qu'il va sortir, lui? Ton père et ta mère se sont encore trompés de chemin pour venir ici. Eh oui! À chaque fois, si tu viens d'un Québec, ils se trouvent. Je savais pas encore qu'on allait essayer une affaire spéciale, gars. On s'est ramassé dans le vieux Québec. Jamais capable de se rendre du premier coup. C'est mon voyage. Hey, c'est pourtant simple, hein. Quand t'arrives par le pont de Québec. Oui, oui, on sait tout ça. Non, mais c'est-tu assez mal indiqué, ces maudits grands panneaux-là? T'es là, le cou tordu, pour essayer de voir quelque chose. Tu trouves pas ça, toi, hein, François? Hey non, Denis Calice. En tout cas, moi, je trouve. Essayez pas de se faire comprendre que c'est lui qui a rendu trop nerveux. Ouais. On est tous là, sains et saufs, c'est ça qui est important. Oui. Ah, oh, François, tu veux-tu quelque chose à boire? Non, merci. T'es sûr? C'est pas un gros buveur, ça, notre François. Ça prend pas un verre, ça. Ben, une petite coupe de vin à l'occasion, hein, François? Hein? Je disais que toi, l'alcool. Ça te dit pas grand chose. Madame! Ah oui, mais là, vierge. Vos voisins, toujours les mêmes? Je suis provenché. Ouais, ils sont au chalet, là. Ah, ils passent tout l'été là. Ah, moi, j'ai un clé, tu sais, je vais faire mon tour deux, trois jours, là, je surveille comme il faut. Ah, c'est sa femme à lui qui a capoté, hein? En vas-tu mieux? Ça dépend des jours, je vais te dire. C'est de valeur, hein? Elle s'est remettra peut-être bien jeune à ce femme-là. Et de quoi vous parlez, là? De Gisèle, notre voisine. Ils ont perdu le gars dans un accident il y a un an et demi. 17 ans! Pas drôle, hein? Ah ouais? Hey! Ben, longtemps qu'on n'a pas été ensemble, la famille. Ben, qu'est-ce que tu fais là, toi, aux fêtes? On s'est vu. Non. C'est toi, qu'est-ce que tu fais là? On s'est pas vu pantoute aux fêtes.
Arrête donc, fatigante, toujours me contredire. C'est une vraie maladie, ça. Il est toujours là en train de me contredire. Avez-vous déjà vu ça avant la même? Vois si on s'est pas vu à Noël ou plus au jour de l'an. Et va m'ostiner. Ça a plus de mémoire, deux scènes, ça ostine le monde. Hey, c'est pas drôle, vieillir. Ouais, maman a raison, là. C'est pas vu cette année tout le monde ensemble. T'es sûr de ça? Oui. Ah ben, ça me surprend, petit Jésus. Oh, j'ai un petit mal dans la cuisse, mais depuis un bout de temps. Il fait beau, hein, s'il vous plaît. Hein? C'est ce qu'on appelle une vraie belle journée d'été. Ah, hey, Pocket, encore à ton tour à commencer. Prends les cours, Dubé. C'est-tu de fraîchis? Voyons, c'est cherche. Ma sacoche, ça s'accroche. Oh, ma sacoche! Ah, oh, la vlog qui cherche encore, ça s'accroche. J'ai pas vous montrer. Elle est à la veille de perdre la tête si ça continue. Ça, c'est une étude, ça. Bonne fois, elle va se faire avoir avec sa sacoche, elle va l'oublier quelque part, pleine d'argent. Elle se promène avec ta sacoche pleine d'argent. Des 2 000-3 000 piastres, des fois, là, pas des farces. Des fois, je pense que si je me faisais attaquer, il arrête pas de se servir. Comme là, là. Et tout le cash de la journée d'hier avec moi. C'est ça, en montant la voix avec moi, il n'y a personne à la maison. Hein, tu places à la maison tout seul, pleine d'argent? Elle doit être en maison, votre sacoche. Laisse-la faire, assis-toi, 2 minutes, prends un break, tu m'énerves. Tu n'as pas arrêté 2 secondes depuis qu'on est arrivé. Ma sauce. Ah, sa sauce. Hein, c'est ça. Ah, oui. Puis, à part le truc. Pas grand-chose. Pas mal tout le temps la même routine. Comme nous autres. C'est pas mal pareil pour tout le monde. 900... 1200... Je voulais te remercier, Denis, pour le char. Ah, merci, c'est bien correct, c'est bien. Ça a été grandement apprécié. C'est parfait. 2000. Écoutons. Dis ça à Claire dans l'auto tantôt. Je sais pas si Roger il voit encore ça des fois, lui, sur Robert Fréchette, là. OK. Char plus. Je vois pas grand monde. J'ai entendu dire qu'il était parti s'installer pour de bon en Floride. Hein? Je sais pas pantoute. Les voyais une fois de temps en temps quand j'allais aux galeries de la capitale, ça m'arrivait d'y croiser. Ah! Pareil qu'il a tout vendu, hein? Sa maison, le business. T'es pas à Sainte-Foy, ça? T'en manquais proche, hein? Il en manquait pas gros! Prochain tour! On est tout à chemin. Oh, viens, hey. Il paraît que ça a de coller, ça, Robert Fréchette. Ça vaut une coupe de millions. Alors, j'ai pas de misère à croire ça. Ça vaut un peu plus cher que moi. C'est ça. Rien en vue. Trouver à se replacer à 53 ans, hein? Bonne chance. Ouais, pas trop fort, le gars de Montréal, hein? C'est ça. Je trouve ça drôle. 800. Oh, pas d'acheteur? Ah, c'est rare comme de la marde de pape. C'est tout le meilleur. Y a plus rien qui se vend, on est plus dans les bonnes années. Ah, oh, le donner, on pourra le vendre demain. Pas laisser partir ça pour des pinottes certains. Hey, il y a 2 semaines, un qui m'arrive, 150 000. J'ai dit à l'agent du meuble, arrive-moi plus que des niaiseries de même. La bâtisse toute seule, elle vaut ça. La vie, ce que ça peut nous mener, hein? Un jour, t'as tout, puis le lendemain, t'as plus rien. C'est ça. Rien? 800. Quand tu dis rien, c'est rien. 0. 900. Tu vaux un gros 0. 1100. 0 cent, oui. 1100. Un jour, t'es 1100. En santé, puis le lendemain, t'es mourant à Saint-Denis d'hôpital. C'est quelque chose de la vie, quand même, hein? À date, c'est pas mal lui qui a sorti les phrases les plus profondes, là. Oh,
pauvre mon oncle. Ça fait quasiment pitié. Qu'est-ce que tu veux? Mais tout un trio, ces trois-là ensemble dans la même maison. Ça a l'air pire que c'est. Non, ils ont l'air à bien s'adonner. Tout aussi bien que Roger s'en vienne rester avec eux autres, t'es tout le temps rendu ici. Puis pour le petit peu que Roger le donne. Je sais pas combien Richard pour rester ici. Je n'y ai pas demandé, puis je n'y demanderai pas non plus. Ta mère doit savoir ça, elle. En tout cas, ça leur en fait un petit peu plus. Même s'ils n'ont pas plus dans leur poche à la fin du mois. Je sais bien, mais j'haïrais tout ça, moi, avoir un étranger dans ma maison. Et où leur intimité? Ils n'ont plus d'intimité. Ils cherchent la poire vierge. Ils n'ont pas. En tout cas, ils me font rire. J'ai jamais vu autant de cochonneries dans une maison. C'est effrayant. Je sais pas comment est-ce qu'ils font vivre là. Ben, ils n'ont du stock. Oh, hey, j'ai jamais vu ça, moi, une maison pactée de même. T'étouffes, t'en as assez plein. Faut le faire, faire les erreurs de même. Bon, manque de gaz. En tout cas, faut voir qu'ils me sont de même. Hey, toi, mon beau frère, si vous voulez. Avec ces belles fleurs. Hein? Oh. Mettre ça d'un coup en plastique. Moi, il est vierge quand j'ai vu ça. Là. Ah, non, mais je pensais juste à chez nous. Ça aurait pas bien fait. Tu penses dans le beau pot que tu m'as donné en plus, hein? Aïe, aïe. Ton beau Ghislain, va bien? Hey, combien t'as payé ça, là, pour le fun? Travaille fort. Il est toujours aussi beau. Oh, il est assez beau, puis fin, son Ghislain. Comment tu penses qu'il a payé ça, lui, ces fleurs-là? Oh, ben ça, je peux peut-être me tromper, mais c'est pas en bas de 50$, puis ça me surprendrait même pas que ça soit plus. Il s'en gaspille-tu de l'argent, cette heure, pour des niaiseries? Mais y'en a! Ouais, c'est des niaiseries! Des belles fleurs! Oui, alors, je rappelle ça dans quelques jours, ils vont avoir la fin à la terre, ça va aller dans les poubelles, c'est 50$, tu gars. Ben oui, mais toi. Oh mon Dieu! Elle est pas grosse, notre Nicole! Je laisse ça, Richard! Qui c'est qui gagne? Encore pas quête, Calice. Hey, qu'est-ce qu'elle fait, Claire, dans la maison, là? Oh, elle est avec Roger. Ça se passe bien avec mon oncle? Oh, il est pas mal commode. On l'a ramené gros train. Hein? Oh, il est bien tranquille. Hein. Trop même. Il écoute tout le temps la télévision. Il s'en va dans le salon, là, il fait le tour des postes. Il reste là un petit peu, il revient nous voir, il y retourne. C'est le même qui agit avec nous autres. Ben, ça fait quand même une personne de plus en maison. Oh, il se ramasse, hein. C'est pas un traîneux, là. Bon. Des fois, j'aimerais bien ça que mon Richard en fasse autant. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, là? Oh, laisse faire! J'ai remarqué ça, là, quand il sert la salle de bain, là, le lavabo est toujours propre. Il ramasse ses poils, lui. Ben, maudite chance! Fallait qu'il se ramasse pas en plus, déjà, que ça doit changer quelque chose dans votre intimité. Je pourrais pas dire, Oh! 1004! Vous autres, vous êtes deux, trois semaines en vacances? Deux. Je prends toujours rien que deux semaines l'été, moi. Faites-vous quelque chose de spécial? Non! Pour ça, d'ailleurs, que je limite ça à deux semaines. Dis pas son partait, hein, mais... Mon chum puis les voyages, ça a l'air que ça va pas ensemble. Ben, c'est drôle, moi, j'aurais cru le contraire. Ben, moi aussi! Curieux comme il est, ça intéresse à tout, mais partir en voyage, ça non! Je sais pas ce qu'il y a. S'éloigner plus de deux, trois jours de la maison, il y a ça. Tu joues ça, toi? Faut croire qu'il est bien chez vous. Mais moi aussi, je suis bien chez nous, vierge, mais j'ai envie d'en sortir des fois, de voir autre chose que mes quatre murs. Je dis pas si on avait juste deux petites semaines de vacances par année, mais là, hey, moi, j'ai cinq semaines, hein? Puis lui, quatre. Puis on est là, les bras croisés dans la maison à se regarder, ça me choque, toi! Mais si c'est pas que je voudrais qu'on prenne des trois, quatre semaines, ça sera trop, de toute façon. Mais bon, dites-moi, qu'est-ce que ça serait prendre deux semaines? Gueulé, Tanner! Fais pas comme tu m'avais pas entendu, André Paquette! Mais si moi, il faisait un voyage, pareil de me chaler avec ça, calice! Elle Vous autres? Ah, nous autres, ça se peut que Richard prenne pas les siennes. Mais voyons! Ça arrange pas pour une dépression comme l'autre! Papa! Hein? Y a-tu de la liqueur? Moi? Moi, j'aimerais. Ah! Je checkais, là. T'es en dedans, liqueur?
Ça te tenterait-tu une à deux? Je suis pas capable de boire tout ça. Ouais, quelques gorgées. Coke? Comme tu veux, oui. Mais allez vous chercher chacun un verre. Allez, vas-y, le gars de Montréal. Gars de Montréal. Écoute, on doit être perdu dans la maison. Ah! Quand je pars plus que 5 minutes, il est pas bien. Qu'est-ce que tu vas faire, mon papa, si jamais je meurs avant toi? Bon, je m'arrangerai bien, inquiète-toi pas. Ouais, hein? Hey, François, tout le monde, là, arrêtez ça, votre jeu de minute pour prendre ça après. On a quelque chose de spécial à vous annoncer. Oh, qu'est-ce qu'elle va sortir là, elle? Au funérail de Fernand Croteau, cette semaine. On a après une bonne. Non. Devinez qui c'est qui a acheté notre restaurant à Disraeli. Ah ouais, dis-le. Mais c'était vendu. Il est plus Fournier que ça. Vous avez 3 ans qu'il l'avait. François, devine qui c'est qui a acheté notre restaurant. C'est pas. Ah, oh, vous en connaissez. Oh, pas sûr qu'il la connaisse tant que ça. Ben oui, toi. Carmen Toupin. Non. Ben, ça doit être quelqu'un dans nos âges. Mais qui veut-tu qu'il ait acheté ça? Fouille-moi, ça. Vous en reviendrez pas. C'est qui? Richard, ton tour! Accouche! Mais laisse la faire! Sacrement! Elle a du foie! Ça n'en finit plus avec elle, colis! Ta chum! Mais quoi, ma chum? Ta Sylvie! Sylvie Gingras! Hein? Hey, t'as rappelé-tu de ça, toi, Richard? Sylvie? Ouais, un peu, fait longtemps. Hey, ma meilleure amie d'enfance, la grosse Sylvie! Ouais, ben, elle est encore grosse. Elle est plus si grosse, arrête donc! Je l'ai jamais vue depuis qu'on a quitté Disraeli. Elle nous a fait promettre qu'à un moment donné, on irait avec toi, puis. Elle te fait dire un beau bonjour. Hey, quand tu vas venir, François, là, on va prendre une journée et on ira à Disraeli. On ira souper ou dîner. Hey, moi aussi, je vais y aller, maudit vierge. André, on devrait faire ça la dernière fin de semaine de nos vacances. Toi et François, arrange-toi pour être chez papa dans 2 semaines. Il en a eu du fun, notre François à Disraeli. C'est notre bouffon. Il est assez énervé, toujours rien que ça de pignotte. Daniel, il arrêtait pas. Ouais. Un vrai petit Joël Denis. Ah, oui, ça. Vous souvenez-vous de ça, les tamans? Le Pierre Marcotte, Shirley Théroux, Joël Denis. Oh, les tamans, c'était-tu bon, ça, les tamans? Papa puis maman disaient que j'étais pour devenir un vrai petit Joël Denis quand j'étais pour être grand. T'as pourtant pas le mien, ça, Joël Denis. Te souviens-tu des séances qu'on organisait dans la cave l'après-midi? Non. On faisait des petites pièces de théâtre. On invitait tous les jeunes du coin, puis on les assoyait les marches de l'escalier qui me donnaient en cave. Hey, on faisait payer 5 cents, mec. 5 cents, Richard. Voyons, ça me dit rien. Oh, y arrête, t'as pas une minute. C'est effrayant quand j'ai pas de mémoire, moi. Quand papa puis maman, il est allé voir René Martel au Club Montmartre à Gardby. J'avais fait une crise. Il pouvait pas m'amener, c'était un club avec la boisson. Mais comment tu fais pour te souvenir de tout ça, maudit vierge? Ma petite carte. Ah, oh, hey, arrête, elle est quelqu'un. Non, ça, le jeune Mais non, Mary King! Ben voyons, vierge! Grand spectacle vous revient après cette pause. Comment sur RTV. Gros spectacle tout d'un coup. On fait dans toute notre. On va aller le chercher dans l'affraîchissement. Lorsque vélocité et polyvalence se rencontrent, la toute nouvelle Dodge Magnum, propulsée par son moteur Hemi, impressionnante à tout point de vue. À contresens du troupeau, défiant l'Inquisition, un exilé revient secrètement parmi les siens. Médecin de génie pour les uns, grand sorcier pour les autres. Basé sur le grand roman de Marguerite Yourcenar. Une pièce très, très québécoise, on dirait justement, je les voisins, mais avec des gens qui ont presque quelque chose à dire sans nécessairement dire grand-chose. Mais oui, c'est vrai. C'est le nouveau nettoyant corporel. C'est la beauté de cette pièce-là que je crois avoir vu aussi. À Valleyfield, il me semble, une fois. Je sais pas si c'était ce cast-là au complet. Mais il y a une
une partie de, en tout cas, ça la tournée, dans le fond, après. La tempête, Shakespeare. Puis ça m'avait vraiment, vraiment marqué. J'étais vraiment content qu'ils le reprennent en télé-théâtre. Mais je trouve ça tellement triste qu'ils ne soient pas disponibles, les télé-théâtres, parce qu'il y en a tellement des bons qui remontent plus nulle part, mais qui mériteraient vraiment d'être écoutés. Donc, je le sais que j'en ai attrapé quelques-uns, dont Cyberjack et les 7 jours de Simon Labrosse. Je crois que j'avais aussi Albertine en 5 ans. J'ai cru voir peut-être un autre truc qui était peut-être un télé-théâtre à peu près de la même époque. Donc, je vais essayer soit de les capturer puis de faire une diffusion, soit de carrément diffuser en les capturant. C'est tout nouveau, je viens à peine de réussir à faire marcher mon nouveau Game Capture. Et mon bon vieux VHS JVC fonctionne toujours. Le DVD est mort, mais le VHS marche encore. C'est un combo, DVD VHS. Ah, ça se dit pas le fun que j'ai eu à dire. Hey, si on peut finir par vendre ça, ce maudit dépanneur-là, qu'on ait juste ça à faire, à se promener. Oui, maudit vierge. Hey, jamais je peux croire que c'est le dernier été qu'on est pogné avec ça. Hey, je vais avoir ma pension au mois de septembre. Pas des maudites farces. 65 ans. Oh! Hey, dites-vous que vous allez vendre, hein? Cette année. D'ici de Noël, puis ça va marcher, hein? Ben, là, plus comme c'était, là. Avant, tu peux acheter comme ça, de notre temps, c'était facile, master. Ça prend trop de ci pis de ça. Si t'as pas bien de l'argent, là, un gros cash à donner, là, tu passes pas à la banque. Oublie ça, ils apprennent plus de risques. Elle pense qu'il y en a plus du monde pour acheter. Voyons donc. Voir si ça existe plus du monde qui veulent avoir leur petit business à eux autres. Moi, j'appelle ça des bons poissons, il y en a encore. Faut juste tomber dessus. Ouais. Alors, le monde qui veut être à leur compte, qui veut être leur propre patron, il en existe bien plus que vous pensez. Ouais. On n'a pas vu gros dernièrement, en tout cas. Trouve-moi-en, toi, du monde, des jeunes qui sont prêts à faire ce qu'on a fait nous autres toute notre vie, là. Travailler 7 jours par semaine, 24 heures sur 24, sans jamais trop prendre de vacances à travers ça. Les jeunes, aujourd'hui, sont bien trop indépendants. Puis libres. Surtout moins niaiseux que nous autres. S'enfermer d'un commerce 7 jours par semaine, de 6 heures le matin à 11 heures le soir. Voyons donc. Celui qui achète notre dépanneur, mettons, c'est un couple, qui ont le moindrement de bonne job, tous les deux. Ben, moi, dedans de moi, ça fait rester de même, vous êtes bien, vous savez pas. Non, mais c'est vrai. Un couple qui débarque, qui s'occupe pas de leurs affaires, là, ça fera pas long feu, ça, je vous le garantis. Nous autres, là, tous les commerces qu'on a eus, là, pourquoi vous pensez que ça a marché? Parce qu'on était là. T'es là du matin jusqu'au soir, puis tu reconnais ton monde. À Disraeli, au restaurant, parce que je faisais la cuisine moi-même. Le monde venait pour mon manger. Le manger de Madame Privée. Hey, quand tu y penses, hein, quand on est arrivé là en 68, là, le spécial du jour est à 1 piastre 24. 1 et 24, Richard, là. 1 et 24. Tout. On rentre ici au restaurant au complet à toi midi. Le monde aimait ce qu'on faisait. On vendait, ça roulait à manger. Puis on faisait de l'argent. Oh, on travaillait. Oh, ça, on n'arrêtait pas de minute. À travers tout ça, il y avait vous autres, mais moi, nous, il fallait bien vous élever. Non, on travaillait, mais on faisait de l'argent. C'est encourageant. Aujourd'hui, tu travailles tout autant, sinon plus. Il te reste rien au bout de la ligne. Le gouvernement vient tout te prendre au fur et à mesure le petit peu. Ça n'a pas changé. C'était les bonnes années. Ah. Oh, j'ai rendu le cœur, hein? Le gouvernement te mange tout. Les petits comme nous autres, là, ils veulent rien savoir. Ils veulent qu'on disparaisse. Ils viennent chercher l'argent direct dans nos poches. Ils savent qu'on ne dira rien. Ouais. C'est aussi bien de marcher un peu, toi, si tu veux pas paralyser. Mais qu'est-ce que tu penses que je fais? Vois-tu? Là, on va vendre, là. On est fini. Hey, François, tu vas-tu venir nous voir avant de recommencer ton école?
Ah, j'écris, là. Ah, moi, ce que j'aimerais, c'est... Ah, wow, et moi, aller passer 3-4 jours avec vous. Ça, c'est parfait, ça, mon gars. Tu prendras une bonne grosse semaine. On fera de la piscine. On ira faire une ride à Disraeli. On va s'accouler douce. Hey, papa est content, là. Il va voir son François avec lui quelques jours. J'appelle ça, on est content quand vous venez nous voir. Hey, je regarde notre François, là. Puis je pense à sa Sylvie avec ses 3 petits. Ben, pour dire, hein, vous êtes du bien mange. Ça pourrait être toi qui serais mangé, Romel. Ah. Tu dois bien avoir une petite blonde, François. Non. Tu vas pas me faire croire que t'as pas une petite amie? Ben non. Tu vas au guidon, mon tourvis! Il y en a plusieurs des filles autour de lui, notre François. C'est pas les filles qui manquent, qu'il y en a une trollée. Tu fais bien, François. Quand tu ne fais plus la fête, next suivante. Il y a assez de nous autres dans notre temps qui étaient niaiseux. Hein, Denis? Hein? Faut pas t'en amouracher d'une qui va finir par te laver de toute façon. Mais voyons donc. Qui a vécu sa vie de garçon en planche, je suis pour ça, moi. Vive, mon François. Profites-en de ta liberté. Demain, tu sais pas qu'est-ce qui peut t'arriver. C'est vrai, ça. Hein, Denis? Hey, vous savez, dans l'histoire du couple de Warwick, là, ça a l'air que, bon, je sais pas si c'est vrai, là, c'est Denis qui a rapporté ça, là, mais il paraît que lorsqu'ils l'ont trouvé, l'asbestos, mais ça a l'air que quand ils l'ont enterré, elle était encore vivante. Imaginez-vous, c'est pas croyable. Après tout, qu'est-ce qu'il a fait, moi, je peux pas le croire. Moi, je dis que le bon Dieu n'a jamais dû laisser faire ça, n'a fait de même. Il y a toujours bien bout à tout, maudit. En tout cas, moi, je suis pas méchant pour 2 cents, mais ces astis fous-là, là, tout ce qu'ils méritent, c'est qu'on le fasse subir le même sort. Oui. Qui aille mal, comme eux autres qui ont eu mal, vierge. Faut être malade dans la tête, tuer du monde. Ça, c'est comme ceux qui tuent leurs femmes puis leurs enfants, puis qui se tirent après. C'est niaiseux rare, ça. J'ai jamais rien compris là-dedans. Ça mérite pas de vivre, ce reste de monde-là. Ah, non, non. Non, non. Ça sera trop facile, ça, hein. André, il m'a fait comprendre quelque chose. Dis-le, André, qu'est-ce que tu m'expliquais cette semaine? C'est à cause, il va l'expliquer mieux que moi. Tu sais, l'affaire des prisonniers, pour... Ah, non, vierge niaiseux, ça. Jean-Carole, mérite pas de mourir, ce gars-là, hein? Ben trop facile, ça, tuer quelqu'un. Tu étais bien quand t'es mort, t'as plus de troubles, plus de misère, tes problèmes sont finis. Non, 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 non. Justement, c'est ça, l'erreur. Moi, là, je pense qu'il faut qu'il soit torturé, là, tu sais, juste à la limite du supportable. Justement pour pas qu'il meure, pour qu'il se rende compte que ce que c'est que faire mal aux autres, hein? Ils sont bien trop bien. Les meurtriers en prison, quand on y pense 2 minutes, tu sais, c'est le Ritz-Carlton, sauf que t'as pas le droit de sortir. Hey, 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 hey. Moi, je me dis, là, ce gars-là, là, une semaine, tu le violes. Tu le fais enculer une couple de fois, encore qu'il aimerait probablement ça. Ils sont assez malades dans la tête, ces maudits fous-là. Là. Tu fais pogner le sida, le maudit maniaque. Hein? Une semaine, tu le bats. La torture jusqu'à la fin de ses jours. Bon, c'est assez! Je veux dormir cette nuit, c'est assez! On change de sujet, là. Pourtant, c'était bien parti. Il y avait presque pas de malaise. Oui. Tantôt, je me suis dit, il y a quelque chose, faut pas j'oublie de le dire. Pour l'écriture. Ah! Oui, le beau-frère de Rachel, le frère de Jean-Paul, Louis Grenier. Vous rappelez pas de ça, il avait sorti avec Madeleine dans le temps. C'est un homosexuel, ça fait quelques années qu'il vit avec le même homme. Puis là, il vient de découvrir qu'il y a le sida. Rachel, elle m'arrive à la maison avec ça la semaine passée, elle venait juste de l'apprendre. Ben, elle dit qu'il s'en était douté, là, que ça lui avait passé par la tête, parce que ça faisait un petit bout de temps qu'il disait qu'il était tout le temps fatigué. Mais ben, comme Rachel l'a dit, c'est toujours un choc, hein? Pas des affaires faciles à vivre, ça. Tout le monde, hein? Tout le monde a quelque chose qui... Et je sais pas, qui tourne pas rond. On dirait que ça peut pas aller droit dans le monde. La carte de remerciement de Fernand Crateau. Ça, c'est bien fait à cette heure, ça. Les funérailles, il aurait pas volé à ce peu de passé, mais à cause de sa sœur religieuse en Afrique, il l'a entendu, fait que Doris a eu le temps de faire la carte puis de la distribuer à la sortie de l'église. Il
la joie. Pauvre Fernand. Je sais bien pas s'il nous voit d'en haut. Là, Fernand pis Doris, après qu'on ait quitté d'Israël, on les a pas vus souvent. En tout cas, il t'avait du monde là. Une vraie peur. L'église était pleine. Ah oui. Et fou pareil, hein, partir vite demain. Il avait quel âge, donc? Ah, c'était pas vieux, ça, Fernand. Oh, plus jeune que votre père. Ben, pas ben ben plus jeune que moi. Il était du 11 juillet. Il y en a eu 62 ans. Ouais, puis moi, je vais avoir 65 ans au mois de septembre, j'appelle ça. Si on n'est pas du même âge, on est proche anti-Jésus. J'ai pas dit que vous étiez pas du même âge. J'ai dit qu'il était plus jeune que toi. Écoute-moi donc quand je parle. On sera pas journée non, 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 mais c'est elle, elle est vraiment rare. Ah, reste-moi donc seule, vous vous dites pas comment te faire. Tu sais comment qu'elle est propre, comment qu'elle est maniaque ses bords? Et là, c'est du KCC, sa dernière trouvaille. Qu'est-ce qui va sortir, là? La peinte de lait, toi! Oh, viage, la peinte de lait! Depuis une semaine environ, la crise de peinte de lait en carton là, est toujours enveloppée dans un sac de plastique. Mais tu sais, maman, les maudits peintes de lait en carton, tu sais comment ça peut-tu être salaud quand tu mets ça dans le frigidaire? Ben moi, avant de serrer la peinte de lait dans le frigidaire, ben, je l'enveloppe bien comme faut d'un sac en plastique. Non, mais ça me fatiguait, moi, les maudits cernes que ça fait. Ça reçut pas de bord, le carton? Tu sais, quand tu mets du lait dans ton café, ben donc tu manges un bol de céréales. Si tu y penses pas tout de suite d'essuyer la petite maudite goutte, t'es faite, hein? Ça coule, ça attache. Elle était en train de faire une dépression. Attends, là, ça m'écœurait, oui. Fait que je l'ai réglé le problème. Mais que surprenez-vous pas, là, quand vous allez venir chez nous, si en fouillant dans le frigidaire, vous trouvez à peine de lait enveloppé dans un sac en plastique. Hey, s'il fallait que je la mette dans un sac de plastique à chaque fois qu'elle coule. Qu'est-ce qu'il dit là, lui, là? Oh, laisse faire, là, laisse faire. C'est une farce plate, bien plate à la poquette. Ben oui, non, non, là, hein, elle est pas choquée, hein. C'est une petite blague, mon amour, hein. Une petite blague, ma petite Carole. Hé, hey, ma petite Carole. Mon petit bébé chéri. Tu viens, mon Jean. Ma petite Carole, tu as changé ma vie depuis le jour. Le jour de ton... Hé, Serge, Marole, Jean. Tu es tout pour nous. On mange du spaghetti? Elle fait de la sauce. Ben oui, mais là, l'heure du souper approche. J'ai faim, moi. On veut pas souper à 9h, faudrait que quelqu'un y fasse signe. Tais-toi donc. Non, mais as-tu cuite, sa sauce? Mais ça doit passer l'après-midi, là, tu sais. En tout cas, Richard a une pas mal belle tondeuse, maman. J'en ai appris une bonne. Hein? Nicole a été coupée d'une journée. Hein? Comme ça, tu vas au guidon, mon tourvis? Crise de paix. Oui. André, il t'a pas trop ses nerfs? Ça va. Bof. Dis-toi que la journée achève. Oh, viens, 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 les maudits nonos. Oh, ça a du bon sens. Arroser le monde de même. Hey, arrêtez ça, là. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Votre père aime pas ça.
ça jouer! Ça jouait pas chez eux! La mère du bête fait sa pipe, fallait que tu trouves de bonheur! Oh, cher Richard! Un gang de porc-posant! Attends, Porquette, arrête! Ça va faire avant le souper, OK, là. Boss! Lâche-moi le boss, puis slack un peu sa pédale! Oui, mon caporal! Hey, tu vois bien, il y a assez de Richard qui commence à en avoir dedans! Oui, mon général! Mais oui, mais pas moyen de parler à ça! Richard! La margarine Lactantia est en spécial cette semaine chez IGA. 1,29 les gros contenants. Je suis toute mouillée, là. Puis, ton beau chelin est en forme? Ah ouais. C'est de capoter, cette porquette-là. Ça va toujours bien, sa job? Ouais, fort. Va te changer. Ça va chasser tout seul. Va te chercher un autre gilet, j'ai dit. Hey, 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 hey! Savez-vous pourquoi les femmes se lavent la tête dans le lavabo? Oh, il est pas arrêtable, là! Parce que c'est des légumes, aussi. Une fois, c'est un Français, un Mexicain et un Américain qui sont assis sur le bord du Grand Canyon. Fait que là, comprends-tu, le Français, lui, il pince sa bouteille de vin, il la cale, il la swing dans le vide, puis il dit, nous, en France, du vin, on en a à profusion. Là, le Mexicain, lui, il pogne sa bouteille de tequila. Ben, c'est... Ben, dis-le pas. Ben, oui. Laisse-moi finir. Il y a la cale, il y a la swing dans le vide. Puis, dis-nous, au Mexique, de tequila, on en a en profusion. L'Américain, lui, pogne sa bouteille de whisky, comprends-tu? Il y a la cale, glagli, glaglu. Il y a la swing dans le vide, puis il pousse le Mexicain. Puis, dis-nous, aux États-Unis, du whisky et des Mexicains, on en a en profusion. Celle-là, il l'aura jamais. Jamais. OK, OK. J'en ai une bonne, celle-là. Une fois, c'est un petit gars, il dit à son père, il dit, « Hey, papa, tu sais quoi une plotte? » Ah, ben, son père, il dit, « Viens ici, mon petit gars. » Il pogne un Playboy à la page centrale, puis il dit, « Regarde, là. Tu vois ça ici, au milieu, ça, c'est le vagin. Tout le tour de ça, c'est ça, une plotte! » Ben voyons, vierge! Hey, 5 piastres, c'est rite des farces là. C'est une maladie, ça. Oh! Hey, c'est bon. Ah ouais. Hey, c'est pas les 5 piastres. Grand spectacle vous revient après cette pause sur RTV. L'Union Vie Groupe Financier participe au développement de la société et au rayonnement de ses créateurs. Fière d'une collection d'œuvres d'art qui ne cesse de s'embellir au fil des ans, l'Union Vie Groupe Financier rend hommage à des artistes de renommée internationale avec qui elle partage une seule et même vision, l'union de l'art et de la vie. Ils ont leur passion dans la peau. La douleur et les préjugés n'ont aucune prise sur eux. Je comprends pas ce besoin de se métamorphoser comme ça. Là. En couleur, devant, derrière et de la tête aux pieds. On se fait faire mal, on paye, mais au moins c'est beau parce qu'on se fait faire. Tout le monde devrait être là. Dessine-moi à Portrait jeudi 21h30. Qu'avez-vous fait cuire au micro-ondes hier soir? Hier soir, j'ai réchauffé un burrito pâteux au poulet. Moi, j'ai pétrifié du veau et un morceau de baguette. J'ai caoutchouté de la dinde. J'ai savouré une pizza croustillante, garnie de fromage asiago, parmesan et romano, assaisonnée de basilic. C'était une des nouvelles pizzas au four à micro-ondes de Cuisine Minceur. Les nouvelles pizzas croustillantes de Cuisine Minceur. Cuisine Minceur. Partout collé sur la fenêtre et sur le puits de lumière. On entend le grésil, le verglas.
zappé partout. Ça se production de l'Opéra Royal de Wallonie, gagnant du Molière 2001 du meilleur spectacle musical à Paris, avec 30 artistes sur scène accompagnés de 18 musiciens. Chantons sous la pluie du 10 au 21 novembre au théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. Puis en vente sur ticketpro.ca ou au 908-90-90 avec l'émission qui est juste un truc que je voulais probablement capturer aussi, qui est une émission avec Bruno Blanchet, que la plupart des gens ont oublié, qui s'appelle Fou de rue. Clad Press and Seal, non seulement recouvre un récipient, mais elle crée aussi un son étanche, elle est forte et résistante, protège les aliments au four à micro-ondes. Oui, il faisait tous les voyages partout et tout, donc ça devrait être quand même intéressant. Je ne sais pas si j'ai l'épisode au complet, ça devrait, je sais qu'il y en a un au début de la cassette aussi, qui est peut-être pas au complet. J'ai plein de choses bizarres sur plein de cassettes que j'ai gardées au fil du temps. Je vais essayer de voir qu'est-ce que j'ai d'intéressant. Lorsque vélocité et polyvalence ah, c'est presque drôle comme nouvelle Dodge je vais pouvoir diffuser impressionnante à tout point de vue. Soit en faisant la capture, soit après l'avoir faite, essayer de faire des soirées peut-être les laisser sur RTV. Ensuite, vu que... Richard, c'est à ton tour de te laisser parler l'amour. Mon cher Richard, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Voyons, viens. Ah ouais! Ah ouais, pas un peu, Richard! L'argent, Chris, l'argent! Mais faut pas le dire, nono, il est du plat, lui! Regarde, de toute façon, je pense pas que le gros loup va me tomber dessus demain matin. Hé, hey, hey, tu sais pas! Ah ouais, il fait un vœu, là. Wouh! Hey, 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 c'est-tu le temps des cadeaux, là? Bon, oui, c'est aussi bien, ça va être fait. Bon, ben, donnons-y les cadeaux, puis après, on mangera le gâteau. Ah ouais, oui, ah ouais, va chercher le cadeau! Hey, ça, c'est du gâteau, mon homme. Ça, là, c'est le préféré à Richard. Ouais, c'est bon, ça, en asti. C'est un forêt noir. Ah, on a un vin au dépanneur qui s'appelle le même. Oh non, 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 je l'ai fait faire au Tim Horton. On se couchera pas le ventre vide à soir. Tu fais attention, toi, là. Bon, c'est pas très, très original, mais bon. Oh, cher Richard, non, c'est non, à ton attends, tour! Non, non, attends, attends, on va commencer par nous autres, là. Oh, j'ai honte d'y voir la binette. J'ai honte de voir si vous aimez ça. Moi, je t'aurais donné quelque chose de plus comique. Non, fatiguant. Oh, moi, je dis que c'est du linge. Oh, mon Dieu, ça m'énerve, là. Encore que je suis moins inquiète que si c'était François, là. François, ses goûts à lui, je sais plus quoi lui donner. Ben oui, c'est ça, un chandail. Non, 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 un polo. Hey, tu l'aimes-tu? Oh, mon Dieu, j'espère. Père qui est assez grand, hein? Mais moi, ah ouais, j'ai pas pris de chance. Ah ouais, il est extra large. Il est bien beau. Va l'essayer. Non, 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 va dedans. Ils ont déjà pris ça une bédaine. T'aurais pu au moins te cacher dans le cabanon. Hey, t'es engraissé, toi, mon Richard, c'est pas possible. Hey! Hey! Il est parfait! Il est parfait, je suis bien contente, hein. Parce que c'est ça qui est embêtant avec le maudit linge. Quand ça fait pas, là, t'es obligé d'aller changer ça. Il est parfait, je suis bien contente. Merci, ma soeur. Ça me fait plaisir. Hey, merci, mon André. Ah, ben là, va l'enlever, pas le salir, là. Bon, ça a l'air d'un mon affaire, mais putain. Oh, belle carte. Un beau brun. 100 pièces. 100 pièces! Ça a l'air. Un beau 100 pièces. Ton vœu est exaucé, mon Richard, hein? Ouais, je devrais en faire plus souvent. Tu vois, hein, mon maudit nono. Merci, mon frère. Merci. Tu vas à la carte? Merci, bien gros. Hey, 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 monte-les, ton beau 100 pièces. Bon, c'est pas le million, là. C'est déjà trop. OK, les gars. Attends, attends, hey, 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 là. OK, les gars.
Cheese! Cheese! Oh, dit François Amard. C'est beau ce qu'il a écrit, là. Tu lui donnes 100 pièces. Tant qu'à pas savoir quoi donner, c'est pour ça. T'as bien fait, l'argent, c'est toujours utile. Il y en a besoin. C'est beau, ça, mon gars. Ben, lui est tout seul. Il n'a pas d'enfant, il a juste lui à s'occuper. Il peut se permettre ça. C'est niaiseux à dire, là, mais... On avait parlé de peinturer le salon. Ça a besoin d'être rafraîchi, hein? Depuis qu'on est titre, on n'a pas repeinturé, ça commence à être dû. Hey, qu'est-ce que tu penses de ça, Nicole, qu'on achèterait de la peinture avec ça? Hein? Oh, on verra ça demain, là. Pas sûr que demain, ça va être tenté de peinturer, moi. Moi non plus. Hey, mon Roger, qu'est-ce que tu dirais de ça si dans deux semaines, on se mettait dans la peinture? Ben prêt. On va mettre Roger sur le découpage, moi sur le rouleau. Hey, pas ton pinègre, mon tabarnouche. Ouais, je sens que c'est moi qui vais en passer des belles vacances. On va te dire que c'est vieux. Ben, tant qu'à être dans l'art, aussi bien de l'être par-dessus la tête. Ouais, une journée qui t'a coûté cher, ça, mon François? Hein, mon gros? T'as les chalons, mais moyens. On a du fun, Roger, puis moyen. On s'entend bien. Oh, un cartouche de cigarettes! Hey, merci! Demain soir, t'auras pas besoin de rouler tes cigarettes pour cette semaine. Ça te prend toujours bien ça de moins à faire demain. Non, mais respirez avec nous autres, je serai bien. Bon, ce matin, mais ça coche pas. Si, c'est 100 piastres, si, c'est 140 piastres, c'est bien plus que 100 piastres, 140. Oh, encore l'argent, mon Richard! Oh non. Non, là, maman, je peux pas. Ah ouais, Rouve, c'est pas de l'argent. Ouais, c'est mieux, hein? Dégage 10 piastres, c'est des billets de loto. Ah, des billets de loto! Ah! Pas des billets! Pas des billets de loto, hein, merci! Hé, hey, un millionnaire! Un 6,49, un mini, puis des gratteux. Ouais. T'as-tu qu'à se forcer? Hey, le millionnaire, c'est dans deux semaines. Gratte-le donc tout de suite qu'on sache devant la télévision. Elle serait pas drôle, ça, non? Il y a qu'un peu. Voir notre Richard à TV. Hey! Ça sera pas beau, ça, non? Il y a qu'un peu qu'on se ramasse toute la famille ensemble à télévision. Arrêtez, Nicole, gratte donc ça. Non, c'est à toi, ça. Regarde donc des affaires pour toi. J'ai de quoi pour tout le monde. Pas grand-chose, là, mais ça vient du cœur. Pour chacun. J'ai un 6,49 pour mercredi qui vient, dans avec extra, puis un gratuit. Maman est heureuse, là, dans son domaine. Hey, la semaine passée, là, j'ai manqué proche. Elle l'entend, elle manque proche toutes les semaines, c'est pas compliqué. Oh, tais-toi donc. Pas bien ben payant, ça manquait proche. Je sais pas si vous vous rappelez, l'extra finissait par 1, 8, 9. Ben, moi, j'avais 1, 4, 9. Tous les autres chiffres de bon, sauf le maudit 4. Au lieu du 8, j'avais le 4. C'est pas un rageant, ça, non, rien que pas. C'est mal. Ça aurait pas été beau, ça. 100 000 beaux dollars. Ah. Tiens, mon papa, on est même un pour toi. Ouais, mon Denis, grappe. Moi, là, ce que je demande souvent au bon Dieu, c'est 100 000. Pas plus. Parlez-moi pas des affaires de 5-6 millions, là, où on a besoin de ça pour vivre. C'est exagéré, ça. J'ai rien. Ouais, ben, c'est toi que j'ai eu là. Puis je vous souhaite tous de gagner. Parce que vous êtes tous du monde quand valait la peine. Et bien gratis. Wouhou! Parle-moi de ça. Bon. Ben, je sais que si jamais vous gagnez, vous ne verrez pas fou. Vous troublerez pas avec ça? Non, non, inquiète-toi pas, là, on troublera pas. On troublera peut-être pas, mais on peut-tu venir mal quelques secondes, par exemple? Parce que ça va qu'il y en a un de vous autres qui gagnerait, là, puis qui virait sur le top avec ça, là. Je serais bien malheureuse de ça, mais. Là, ça va tout de suite, là, je reprendrai son ticket de suite. Toi que je veux pas avoir d'affaires impossibles de 7-8 millions, là, juste de quoi être confortable. Puis 50 000, là, je veux pas assez, ça. C'est ça que je dis. 100 000 au moins! Bon, on gratte! Les sports nationaux.
nationaliser au Québec le grattage de gratteurs. Semi-incompréhensible. Vu ça, c'est pour que t'aies plus de tracas dans la vie. Avec 100 000, tu claires toutes tes dettes et tu continues à travailler. Parce que dans la vie, il faut travailler. Pas une vie, ça n'a rien fait. On a beau dire, le travail, c'est la santé. J'ai 10 piastres. Hey. Oh, un autre galon de peinture. Ben, j'ai un 10 piastres. Ça a l'air. Pardon. Ben oui, un beau 10 dollars. Ah, moi, là, gagner le million, là, je serais, là. Je serais sûrement mêlée un peu, hein. Me retrouver qu'autant d'argent tout d'un coup, là, je sais pas, je saurais pas par où commencer, par quel bout de m'y prendre. Ben, t'es mieux de paralyser que de partir en peu, virer folle avec ça. Quand t'as jamais eu d'argent, tu peux pas t'imaginer. En tout cas, pour moi, c'est dur d'imaginer. Ben moi, pas toutes! J'ai jamais eu de million dans mes poches, mais vierge! J'aime autant pas y penser, moi. Ça, c'est comme moi, ça. Là, là, y a une affaire que j'haïrais pas pendant toutes. Ça serait d'aller au casino de Montréal. Paraît que c'est de toute beauté, hein? Paraît que c'est belle fun, que ça vaut vraiment la peine d'être vu. Mais... mon mari est tellement sorteux. Elle pis son casino. Le casino de Montréal. Hey, c'est pas drôle, toi, chose. Le casino de Montréal. Ben, vas-y au casino de Montréal. Ils organisent des autobus rien que pour ça. Ils se fendent le cul en quatre pour amener le monde au casino. Mais elle, elle veut pas. Ben, qu'elle vienne pas chialer après ça. Moi, à cette heure, Montréal, on oublie ça. Je m'en vais plus là avec mon char. À moins que quelqu'un vienne me reconduire, c'est fini, 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 fini. Pourquoi tu te pompes de même? Je pompe pas pantoute! Qu'est-ce que tu fais, là? Tais-toi, là, avec ton maudit casino! J'ai juste dit que j'aimerais ça y aller dans le... vas-y! Vas-y au casino de Montréal! Puis sacre-moi la paix! Avec ça! Comme l'autre en voyage. Vu en voyage encore. Oui, il va y aller au casino de Montréal! Je sais pas quand ni comment ni avec qui, mais il sera pas dit que je serai pas à l'occasion de Montréal une fois avant de mourir. Non, c'est pas vrai. M'aille prendre l'autobus s'il faut. Bonne fois, m'aller passer une semaine à Montréal. François viendra me chercher au terminus, puis j'irai coucher chez eux. Puis une bonne journée, François, il m'amènera au casino de Montréal. Me contenter à mon goût, bon. As-tu compris, là, François? C'est bien beau. Non, mais moi, ça fait longtemps que je vais aller passer une semaine à Montréal. Mais on sort plus. On fait plus rien. Ça n'a pas de bon sens. Moi, de l'air niaiseux aussi. Mais fallait, vierge! J'attends pas après papa, tu le sais, il aime pas ça sortir. Savez-vous qui c'est qui est mort? Ils viennent juste de l'annoncer à TV. Ça arrête pas à toutes les postes. Ils parlent juste de ça. La petite Marie-Soleil de Tougon. Ah, ben... hein? Qu'est-ce que c'est ça? Comment ça? Pas la petite dans TV, là? Dans un accident d'avion avec son chum. Mais voyons donc, ça n'a pas de maudit vierge de bon sens. Pas avec... Faut aller voir ça, là. C'est quoi son petit maudit nom, mais je tiens, là. Oh non, elle t'a plu avec lui, ça fait un bon bout de temps, de tout ça. Marie-Soleil, tout gars, est mort. Je connais pas ça, moi. Hey, je me sens pas bien, là, c'est-tu normal, ça? Il t'en connaît, la petite Marie-Soleil. Mais c'est qui? La petite Zoé dans la peau de banane, là. Thank you.
L'a vu, ma belle tondeuse neuve. Je sais que maman sera pas contente après vous. Mais c'est pas grave. Il va la stouler. Elle est belle, hein? Je la trouve tellement belle, puis elle va bien à Chris. Maman, elle voulait pas que je te dise. Et moi, asti, je trouve ça bien plate là, pour pouvoir le dire, parce que je veux pas une crise de scène, puis tout le monde le sait, puis c'est pas grave, je veux pas honte de ça partout. J'ai pas encore tué, j'ai pas fait de mal à personne, jusqu'à date. J'ai pas d'argent à ce type, mais ça travaille bien quelque chose de neuf. Et les parents, ils m'ont aidé au début de l'été. Ils m'ont fait un crisse de beau cadeau avant à soir pour ma fête. Puis maman, elle voulait pas que je le dise, mais moi, esti, je veux vous dire que ma tondeuse neuve, ma belle tondeuse neuve, ben esti, c'est pas moi qui l'ai payé, c'est Denis pis Claire. Moi, ils m'ont donné de l'argent pour que je m'achète une tondeuse neuve. Puis asti, je m'en suis payé une à mon goût. Je trouve que c'est un beau cadeau. J'ai une belle pelouse. Elle est verte, ma pelouse. J'en prends soin en crisse. Mais c'est grâce aussi à Denis Piclair qui m'ont payé une tondeuse neuve pour mes 40 ans. 40 ans. Je tiens à lui dire un gros. Je viens d'avoir un 40 ans. Gros merci. Merci, mon Denis. Changez pas le ton de. Merci, ma Clarine. Merci, ben, moi. Non, mais c'est vrai, Sty. Pis pas quand je vais être mort, hein. Non, on se le dit pas assez. Merci. 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 Ouais, ben. Ça mérite bien une photo entre ton père et ta mère, ça, mon Richard, hein? Avec la tondeuse, Chris. Mais là, c'est. Avec le chandail, le collier. Comme moi, ça. Je me demande tout le temps. Comme les autres, là. La petite Marie-Soleil. Avant de s'envoler, qu'est-ce qu'il faut bien se dire, hein, déjeuner? Il pense à tuer à soir? Parce qu'ils n'ont plus de soir, là. Comme le couple de Warwick, ça. Avais-tu prévu ça, eux autres, en se levant un matin qu'ils seraient massacrés dans la journée? Ah! Regarde ça, là. On va toutes laisser nos sacoches tout seul à la plage. Madame Dubé, Madame Dubé, là, mettez-vous à côté de votre gars, là, on va faire une belle photo, hein. Allez, comme ça, c'est ça. On est loin de la sacoche. S'il reste des pauses, t'en reçois-tu des pauses? Ben voyons donc, ma bonne madame, hein? Quand tu en auras plus, on ira en chercher d'autres, y'a rien là. Regarde-le. Il est heureux, lui, ici, aujourd'hui. Quand je pense qu'on n'a pas de portrait de famille, là, j'en reviens pas. Je peux pas le croire. Là, on devrait en profiter, là, du rencontrer un codec dans les mains, là. Mm-hmm. Je pense à ça, moi, des fois, là, je me dis, votre père, là, il pourrait partir demain, d'un coup. On n'aurait aucune photo de moi et lui avec nos enfants, ouais, ça a du bon sens. Je trouve ça bien triste. Ouais, c'est normal. Ça n'a pas d'allure. C'est ça que ça fait, les commerces. Qu'est-ce que vous voulez, là? Ben, je sais pas. On pourrait commencer par une toute seule de moi et Denis. Puis ensuite, tant qu'à faire, j'aimerais ça bien gros d'avoir une toute seule avec mon petit frère. Puis après ça, juste avec les enfants. Après ça, tout le monde, là, Nicole, toi, André. Tant qu'à voir Roger, on va en profiter. On y va. On y va? On y va.
portrait de tout le monde. Dans le noir. Avec les yeux. Oh, OK, il y en a tout le monde. Viens dans la même école. Toi, c'est André. Bon, ici, t'as une grande fille, une grande fille. Vas-y, ici. Hey, sais-tu qu'est-ce que j'aimerais avoir, mon amour, pour Noël? Quoi? Ce serait une caméra vidéo. Ah oui? Ouais. Puis tant que j'en veux une, là, je pense que je vais me mettre un petit peu de sous de côté, mais m'en acheter une maudite belle. Puis là, au fait, au lieu de prendre des photos, là, je pourrais tout filmer. Quel âge qu'avait déjà la petite qui est morte, là? 27 ans. C'est bien trop jeune pour mourir, ça, mon gars. Non, tu vas te poser le doigt. Attention. Cheese! Cheese! Non, minute. Un autre encore des fois que... Ah oui, oui, hein? J'aime ça. Ouais. Ouais. Hein? C'est bon. OK. C'est beau de voir tout ensemble. Vous faites une vraie belle famille. Aérogéant, oui. Grand spectacle vous revient après cette pause sur RTV. J'ai mon échelle, ma planche de surf et 12-2 par 4. Lorsque vélocité et polyvalence se rencontrent, la toute nouvelle Dodge Magnum et son moteur Hemi. Impressionnante à tout point de vue. Ici, ce sont des carottes nappées de sauce onctueuse à l'ail au Finzer de Heinz. Là, des pommes de terre à la sauce maison, au cheddar et au bacon. Il y a de la sauce au teriyaki et au gingembre sur les pois manchetous et sur le chou-fleur de la sauce au parmesan crémeux. Et ça, c'est du brocoli à la sauce onctueuse à l'ail au Finzer. Et là, du brocoli à la sauce maison, au cheddar et au bacon. Chérie, latin? J'en reviens dans 6 heures. Les nouvelles sauces pour légumes de Heinz. Tant de variétés pour vos légumes. Ce week-end à Théma, la Ville Lumière a tous les visages. D'abord, samedi, gros plan sur la vie à Paris, celle des stars, dans le documentaire Un week-end au Georges V. Puis place au spectacle, dans le documentaire Lido, 50 ans de bravo. Jolies filles, paillettes et plumes vous en mettront plein la vue. Ensuite, visite inspirante de Notre-Dame de Paris, cette inconnue. Puis dimanche, les bordels de Paris livrent leurs secrets. Avec le film Mon homme, Bertrand Blier vous fait entrer dans la vie d'une prostituée et d'un clochard devenu son proxénète. Enfin, le documentaire Maison close, maison d'illusion, raconte ces lieux d'initiation et de fantasmes qui, pendant un siècle et demi, furent tolérés et même contrôlés par l'État français. La vie à Paris, samedi 21h. Et les bordels de Paris, dimanche 21h sur RTV. Ils ont tout risqué. On cherche à rejoindre l'armée, mon colonel! C'est trop risqué pour déchirer! Ils ont défié l'oppresseur et joué leur destin. Il faut aider des juifs à passer en Roumanie. Vous savez qu'on peut se faire fusiller. Quittez Cracovie au plus vite. Où voulez-vous qu'on aille? N'importe où. Après la peur, je pense qu'on a le dernier 15 minutes qui s'en vient. Dernier 10, 15 minutes maximum. Ici. Bienvenue au Canada. Pour nous amener vers la fin. Ces enfants d'ailleurs, les dimanches 19h dès le 27 septembre. Les pubs, ça rallonge, hein? C'est fatigant, pareil. Ça sent. Fier de son engagement dans le paysage culturel québécois, l'Union Vie Groupe Financier vous présente son calendrier. Son platard. Ça ne sent pas grand-chose. Partagez avec nous la même passion. Le problème, passion. C'est que si je fais fast forward, je ne vois plus
va... Revoici maintenant Grand Spectacle sur RTV. C'est la fin. Un matin avec du bagage, mes amis. On a du bagage une vraie peu. Des gilets, des culottes. Au moins, elle pensait qu'elle allait passer la journée changée. Des souliers. Rien compris à cette affaire-là. Mais à cette heure, je dis plus un mot. Je la laisse faire. Il exagère encore. Mais pas ce qu'il annonce pour demain. Beau et chaud. Puis il peut bien parler, lui. S'il y en a un qui a toujours vrai, c'est bien lui. Ben, c'est le sang, ça. Le sang, trop clair. Hein? La circulation doit se faire mal, je ne sais pas. Maudit inconvénient, ça, d'être malade. Mourir, c'est rien. C'est d'être malade. De souffrir, de pâtir. Pas drôle, ça. J'en ai assez vu, moi, de mes frères pis de mes sœurs. Malades comme des chiens. Y'a pas de vent pantoute à cette heure-là. C'est ce qu'on appelle... une vraie belle soirée d'été. Ça peut être de même toutes nos vacances. Mais voyons donc, mon amour, on va faire beau tout le temps de nos vacances. Il est rendu que le mois d'août est plus beau que le mois de juillet. Ouais, la fin, j'ai remarqué cet été. Souvent, il se met à faire beau en fin d'après-midi. Si elle était couverte la journée, ouh, à 4h30, 5h, le soleil sort. Te souviens-tu, papa, quand on allait à la lutte avant, au Palais des Sports de Sherbrooke? La lutte. Une fois, papa, il était parti à courir après deux poudrées d'Hollywood. Mm-hmm. T'étais-tu là, Richard? Ah, ça se peut, je sais pas. Le combat venait de finir. Les deux poudrés d'Hollywood, ils se dirigeaient vers leur vestiaire. Papa qui criait comme un fou, il se lève, enragé ben noir, puis il se garoche. Il se met à courir après les deux poudrés d'Hollywood. Je me mets à crier, « Papa, reviens ici, reviens ici. » Je commence à pleurer. Deux gardiens de sécurité qui finissent par le ramener. Il devait être échauffé, c'est comme rien. Denis aimait ça, la lutte, hein? Ah, il croyait à ça dur comme fer. On le faisait enrager des fois. Hey, si quelqu'un avait le malheur de dire que c'était tout arrangé, là, il choquait. Pour voir si c'était tout arrangé. Ça fait ça dur des fois, j'appelle ça. Ça cognait fort. J'aurais pas voulu être à leur place. Il aimait tellement ça qu'il se faisait mal, là-dessus. Hein? Oui, tu sais, il se faisait mal là, à cause de ses balles. J'aimais ça, la lutte. C'est mon seul plaisir. Ça, c'est comme la fois qu'il est allé en vacances à Haïti avec son vrai Paul. Souvenez-vous de ça, son voyage à Haïti. En revenant dans l'avion, il était tellement malade, je ne me pas pourquoi il était chaud, mais raide. En renvoyant dans les toilettes, il a perdu son dentier. Il est revenu de voyage. Pas de dentier! Ah! C'était beau de voir ça! T'en souviens-tu toujours de ton voyage? Pas trop. Deux semaines de temps obligé de rester caché dans la maison parce qu'il n'y avait pas de dents. Puis
Puis quand il prenait un coup à cachette, puis qu'il s'enfermait dans le cours à patates, ça, vous en rappelez-vous de ça? On parle pas de ça pantoute, là. Il aimait ça, il bouffait patate, tout à coup. Il aimait ça, il bouffait patate. Quand il partait sur ses pompettes, il aimait ça, tout à coup. Il s'enfermait dans le cours à patate. On le voyait plus. Ça prenait du temps. Tout à coup, tu ouvrais la porte. Tu voyais une paire de yeux vitreux. Pis son petit sourire niaiseux, là. Le coin de la lèvre retroussait quand tu prenais un coup. Vous avez jamais remarqué ça? Ça, c'est sans compter les nombreuses fois qu'il disparaissait carrément dans la brume. Puis que moi, la folle, je restais pogné tout seul avec le restaurant. Tout seul comme une belle dinde. Durant que monsieur gaspillait notre argent à droite par gauche dans les hôtels, durant que moi, la folle, je tenais à business, lui avait du fun. Encore que... je sais pas si on peut appeler ça ouais, du fun spectacle, c'est comme il faisait. Il revenait. Deux, trois jours plus tard. Puis ça, c'est assez petit de virer, ça. Puis moi, la folle, je travaillais. J'ai travaillé dans ma vie, moi. T'as pas de bon sens. J'ai travaillé comme une crise de folle. Pas obligé de sacrer. Oui! Je venais travailler une crise de shot. J'ai pas peur de le dire. En Israélie, là, c'est tout moi qui a porté sur mes épaules. Ah, il y a des fois, là, j'aurais voulu tout laisser aller, là. Mais je me disais, ben non, ça n'a pas de sens. Il y avait toutes vous autres, fallait que je m'occupe de vous autres, moi. Pis les waitresses, pis... Je t'ai dit qu'il y a des jours, ça passe à part là. J'avais pas le temps de me poser trop de questions, le restaurant t'a plein, fait que, ah ouais, toi, il fallait que ça roule. Je suis brûlé, moi, d'Israélie. Parce que votre père, là... Votre père... Je l'ai ramassé plus qu'une fois. Il est venu me battre un temps. Il est venu pire. Bien oui, la folle, elle recommence. On continuait. C'est ça, la vie. Puis j'étais pas capable de le laisser là tout seul à la terre. Vous dites qu'aujourd'hui, il n'y a pas de femme qui endurera le corps de ce que j'ai enduré. Ça fait longtemps qu'elle l'aurait sacré dehors. Mais bon, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui endure rien aujourd'hui. Là, on arrive à notre retraite, là. Puis regardez-moi qu'est-ce qu'on a de l'air. Tu qui prendrais un autre morceau de gâteau? T'es folle, toi? Ben, on sait jamais, hein, des fois. Hein?
vais aller le mettre dans le frigidaire, là-bas. C'était pas mal bon, ce petit gâteau-là, Mancol. Oui. Ça devait être vraiment quelque chose. Comme n'importe quelle pièce de théâtre qu'on fait ici. Bon, est-ce que c'est... Je suis compulsif. Vous êtes marié? Ça a fait 41 ans, le 20 juillet. Je suis sûr qu'un jour, je m'en vais gagner un gros montant à l'auto, là. J'ai toujours eu ce sentiment-là, c'est pas pour rien. Un jour, ça va m'arriver. Hey, savez-vous à quoi je pense depuis tantôt? Ça m'a passé par la tête après-midi. Ah non, ouais! Ouais, lâche-moi avec Noël, toi! Non, mais c'est vrai! Savoir qu'on se verra toutes aux fêtes, là, on pourrait faire un échange de cadeaux. On pourrait même piger les noms de rats, là, pourquoi pas? C'est tellement le fun de se faire des cadeaux à Noël, on sait jamais à quoi faire. Bon, au moins, pendant l'échange, ça va bouger. Mais pas besoin d'être l'affaire du siècle, là. Moi, je dis qu'on met pas plus que 20 piastres. Entre 10 et 20 piastres. C'est pas faux. Bon. Moi, je suis d'accord. Mais je le dis tout de suite, là. Pas de farce plate. Je guis les niaiseries. Toujours, tu fais ça assez niaiseux, mais le monde qui gaspille leurs argent des affaires de platitude de... Ben oui, les farces à frappe. Ouais, ça doit être ça. Ah, ça m'arrange bien, moi, ça. Hein. Puis, qu'est-ce que vous en pensez? Hey là, c'est loin Noël. C'est même pas son va être là. Mais force-toi donc, toi, pour une fois! Oh, je sais-tu, moi, Chris, quel temps qu'il va faire à Noël? Mais galant qu'il passe la température, dis-toi qu'il va faire beau, c'est non, tout! Mais moi, je veux bien... Bon! Oui, je vais aller te chercher de quoi, là, pour que t'écrives tes noms. Toi, mon François! C'est beau. Oh! Oh, j'en ai, moi, du papier. Ça colle. Oh. Ça me met. Hey, toi, Pépé, là, le nom que tu vas piger, tu le dis pas à personne, toi, là. Même pas à maman. Ben, là, faites-vous pas d'illusions. Qui c'est que vous pensez qu'il va aller l'acheter, ce cadeau-là? Ben, oui, mais force-toi donc, pour une fois. J'ai jamais acheté ça de ma vie, un cadeau, moi. Ben, j'ai jamais trop tard pour bien faire. Richard, viens ici. On va aller chercher de quoi mettre les noms, là. Oh, oui. 7. OK, je suis prête. Mais non, t'es pas prête. T'en as 7, on est 8. Mais non, maman, j'ai... Mon oncle Roger. Viens, j'ai oublié mon oncle Roger. 8, OK, je suis prête. Bon, on va attendre les autres, là. Mais c'est qu'ils font? Ça va être le fun, hein? Avec ça, on va avoir hâte à Noël. Ça ne prend pas grand-chose, des fois. Hey, on sera à ramasser des petits, là. Mais là, t'as pas grand-petit à ramasser. Hum? Tiens. Hey, je t'aime gros, mon amour. Oh, moi aussi, gros comme la terre. Hey, bougez pas, vous deux. Cheese! Hey,
François, t'as pas amené de plat? J'ai quelque chose à vous dire. Oh, ben là, toi, si t'es pas d'accord, il est trop tard, hein? Et toi, tu dis pas le nom que tu vas piger. J'ai quelque chose à dire. Ah, qu'est-ce qu'il va sortir là, lui? De pas très agréable. André Collis! Voyons, qu'est-ce qui te poigne, toi? Reste au calme, ok? S'énerver, ça donnera rien, là. Hey! Qu'est-ce qui se passe, là? C'est au sujet de mon oncle Roger. C'est qui, là? Mon oncle, il était pas dans le salon ni dans sa chambre. Puis? La porte qui mène dans la cave était barrée, puis... Hein? Hein? Mon oncle... il s'est embarré dans la cave, puis... Maman! Ah, j'ai... Nicole a trouvé ça. Oh, bien. Thank you.
le suicide comme une solution pour personne. Ça se peut pas. Ce qu'on appelle une vraie belle journée d'été. D'été. C'est pas la solution. Créé en 1999 au théâtre d'aujourd'hui, 24 poses portraits a été également monté en 2001 chez Duceppe et en 2003 au théâtre de la Bordée à Québec. On l'a même applaudi en version anglaise à Calgary. Serge Boucher est l'auteur d'un autre grand succès du théâtre québécois, Motel Hélène. Sa cinquième pièce, Les bonbons qui sauvent la vie, sera présentée cet automne à la compagnie Jean Duceppe, puis en tournée au printemps 2005. C'est plus vraiment bon. C'est une fois de plus René Richard Cyr qui signera la mise en scène. À la prochaine! Sujet qui m'affecte parce que j'ai toujours été capable d'imaginer ça. Dans ma tête, ça peut pas s'arrêter comme ça. C'est pas une solution. C'est jamais allé au bout, il y a toujours moyen d'aller au bout, il y a toujours moyen de fouiller, il y a toujours moyen de trouver, il y a souvent quelque chose qui cloche, il y a souvent quelque chose de mal compris, mal entendu. Moi, j'ai une ferveur de vivre, même si je trouve ça complètement absurde de savoir que je vais mourir de toute façon, puis c'est la plus grande crainte de ma vie. Parce que j'en suis trop conscient depuis trop longtemps. Mais ça m'a pris 40 ans pour finalement me rendre compte que je suis autiste. Puis que mon cerveau spin vraiment, vraiment loin pour chercher à les trouver, imaginer, comprendre que finalement je suis vraiment différent au lieu d'être fou, d'être à côté de la traque, d'être de pas comprendre rien en bout de ligne. Fait que non, on n'est pas fou. Des fois, on est juste à côté de la traque sans ça. Je vais laisser ça aller un petit peu de ton court-métrage que je capture aussi séparément parce que ça a l'air presque intéressant. Je vais me prendre d'abord. Jamais n'importe qui tombe sur une vidéo comme ça par hasard. Message privé si vous avez des idées de quoi que ce soit. Faut jamais aller là-dedans. Ok, pour ressortir de ça.
Mon sac. Il m'a volé mon sac! Mais voyons donc. Voyons donc, on va les faire. C'est vraiment un court métrage. On peut pas dire autrement. Séparément parce que ça a l'air d'être une autre affaire par rapport. Ça a l'air d'être les effets qui servent à rien. C'est quoi ce truc là encore? Ça sert à quoi? Bah, ça sert à rien. C'est les effets qui servent à rien. Et voilà. Ils ont leur passion dans la peau. La douleur et les préjugés n'ont aucune prise sur eux. Métamorphosé comme ça, là. En couleur, devant, derrière et de la tête aux pieds. On se fait mal, on paye, mais au moins c'est beau parce qu'on se fait. Tout le monde devrait être là. Dessine-moi à Portrait jeudi 21h30. Son métier. J'ai intégré l'équipe du SAS. Fortier m'a demandé ces 5 dernières années une année d'investissement à chaque fois. Sa vie. Je suis pas une personne compliquée, moi. Ses confidences.
Chez chaque enfant, il y a une notion tout à fait naturelle, je crois, de vouloir dépasser le parent. Et moi, je me disais, j'y arriverai jamais. Sophie Lorrain se raconte à Renaud Mirois. À Viens voir les comédiennes, samedi 20h sur RTV. Ça va pas mal être la fin. Je vais pouvoir découper et voir si le test vaut la peine et si ça fonctionne comme je pense. Donc, bonne nuit.